Et voilà, et nous sommes aux Polynésiennes dans notre jour, on est le 11e jour. Donc ce matin nous sommes allés goûter quelque chose que Emily ne connaît pas, que moi je connais, que j'ai mangé quelques années, c'est le tongatos. Alors ça c'est un truc typiquement d'ici, enfin typiquement soi-disant polynésien. Alors en fait c'est de la brioche farcie à la banane et après c'est mode pain brioche, vous savez pain perdu, frit, sucre, cannelle, vanille et brioche à l'intérieur. Voilà, avec du bacon. Et Emilie commence à goûter sa première tongatos, qui est quand même quelque chose de base ici. Hein. C'est le truc qu'il faut voir. Quand vous êtes à Disney World, il faut que vous goûtez ça. Ça fait, pour vous donner un exemple, Emilie me donne son bacon. Vous voyez ma main, ça fait ma main, quasiment. Hein. C'est costaud. Quoi. L'épaisseur du truc, c'est ça. Hein. Si vous voyez mon doigt, c'est quand même assez costaud. Voilà. Donc après, nous allons à Animal Kingdom. Si Emilie arrive à manger tout son pain perdu. Ah, elle a trouvé son jus d'orange. Par contre, on offre au prochain gagnant du sirop d'érable Aisley, que je n'aime pas du tout ça, je trouve ça imbuvable. Alors si quelqu'un veut du sirop d'érable, je lui ramène pas parce que ça éclatera dans la valise forcément. Mais voilà, sirop d'érable, j'en veux pas. Et bien sûr, le tongatos, tout. Oh, regardez, ça prend forme. Magie. Allez, bonne journée à tous. Ciao. Tu fais un check? Non, tu fais pas de check? Hakuna Matata! What a wonderful phrase!
this restless warrior just to be with you. Et hop les gens, il est chez vous, il doit être 18h, 19h je pense, comme ça. Donc nous sommes à Pandora, il y a beaucoup de monde, après on va à l'hôtel. Et là on est venu tester le cocktail exotique, un peu fusion, un peu tout ça. Et donc ça c'est des perles de mangue, c'est vraiment très très bon, ça pète dans la gueule. Là vous avez un truc, c'est cassis, c'est ça, c'était quoi exactement? Je sais pas, cassis fraise, citron vert et re-cassis, enfin... Voilà, le mélange de tout ça est vachement bon. Oui, c'est content. Voilà, pour vous dire qu'on est venu tester ce truc-là, by Pandora. Voilà. À très bientôt. On va à la piscine après. Piscine, ouais. T'as vu, il y a le nom sur les dés. That's right, Magic Kingdom. Move it, shake it, dance and play it. Throwing it down with some of your favorite Disney friends. Now, I need you to make some noise with a big boo-bad himself. We have the legendary squirrel of the party, which is, let's hear for Genie! From the galaxy far, far away, Experiment 66, give it up for Stitch! Share the toy box with your three true favorite cow toys. Everybody makes a noise for Woody and Jessie. Yee-haw! Let's go, let's party, and we'll sign off. Et donc voilà, on est à Magic Kingdom avec Emily. Le parc ferme à 2h du soir et il est archi blindé. Il y a 85 à Phantom Manor, 60 à Snow World. Et même les queues fast-pass dépassent l'entendement. Il y a plus de monde en fast-pass qu'en stand-by en France. Là, Peter Pan, c'est juste une usine en fait. C'est, voilà, la queue fast-pass de Peter Pan, on va jusqu'au carrousel. Si vous voyez le carrousel, bah, ça vous donne une idée à peu près. Alors à Peter Pan, il y a 110 minutes à Peter Pan. Quoi. Il y a juste là, c'est vraiment le jour, il faut pas venir sur le parc. Alors nous, on a nos fast-pass pour venir, donc ça va, on gère le truc. Mais le parc ferme à 2h du matin, si c'est comme ça jusqu'à 2h, ça va être chaud patate. Donc voilà, on va aller faire Space Mountain normalement, en fast-pass, en espérant qu'il n'y a pas trop de monde. On verra bien, voilà. Oh,
check. Au revoir Magic Kingdom, à bientôt. Ah, donc là je quitte, il est 22h30. Le parc ferme exceptionnellement à 2h du matin aujourd'hui, mais bon, demain est un autre jour, donc voilà. Donc là je rentre à l'hôtel, il est déjà arrivé à l'hôtel. Je suis allé faire des photos de nuit avec un trépied, ce qui est super. Voilà. Petit Emporium. Confectionneur. Art of Disney. Confectionnerie. Voilà. Allez. À bientôt.